Et donc bonjour à tous, ici Gaston Solex pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, un replay commenté, donc c'est le premier que je fais, parce qu'un ami me l'a demandé, donc qui veut du fromage.com, donc le nom est assez amusant. Donc on est là sur un déploiement, donc sur une bataille impromptue, hein, donc faites pas attention aux stats, hein, bon 47% de chances de victoire. Pas mal de français, on voit que ça parle sur le chat. Alors c'est un ami français donc qui pilote aujourd'hui le FCM 50 tonnes. Donc véhicule, bon c'est un véhicule assez connu sur les champs de bataille, donc avec un matchmaking amélioré, il est souvent top tier parce que peut tomber, je ne crois pas qu'il puisse tomber sur du. Non, il ne peut pas tomber sur du tier 9. Et donc c'est un véhicule qui n'a jamais dépassé le stade de l'esquisse, hein, du dessin. Des plans, tout ça. Donc il a été conçu en décembre 1945. Enfin, le développement a composé en 45 et après il n'a jamais été terminé évidemment. Il devait remplacer la MX 50 tonnes. Donc ça sont des ma source. Hein, donc c'est le site de Watt, hein, qui dit ça. Je suis allé voir un petit peu plus pour approfondir l'historique sur les autres sites, mais c'est pareil. Hein, comme ils ont retrouvé que des dessins et ils ont très peu d'informations dessus. La bête, bah, 1500 HP pour ce char. Donc on voit un déploiement assez classique là, parce que c'est un char qui joue un peu comme un médium, qui est assez. Donc on va voir par les caractéristiques qu'il est assez particulier. On a un moteur qui a une puissance de 1000 chevaux, 51 km/h donc vitesse maximum. On a une bonne rotation, une bonne maniabilité, hein, donc ça c'est les chars français, hein, c'est connu pour ça. Bonne précision, qu'est-ce qu'on a d'autre? 55 tonnes de poids, 11 900 gold à acheter parce que c'est un premium, hein, faut pas l'oublier. L'équipage standard, un hein, conducteur, tireur, pardon, commandant, tireur, pilote, bien sûr, opérateur radio chargeur, hein, comme on peut le voir en bas à gauche. Là on voit il a un emport à munitions assez intéressant qui est de 96 je crois, 91 munitions voilà. Donc il emporte un petit peu de gold, hein, il emporte du standard de la gold. Donc là pour son déploiement il est pas mal, hein, il commence bien. L'équipe se déploie un peu bizarrement, on va agrandir la mini-carte. Mais c'est pas mal, il y a beaucoup de gens au centre. On va voir si y a du monde qui va pousser en colonne 0. Espérons-le. Après tout est relatif, hein. Le blindage pour ce char, donc on a 120 à l'avant, 80 pour les flancs, 80 pour l'arrière. Pour la tourelle, 120 à l'avant aussi, hein. Les flancs 80, les flancs de tourelle. Et 60 l'arrière de tourelle, c'est vraiment le moins blindé. Le canon, bah, c'est le 90 des CA45 standard, hein, comme on a sur la RL44, comme on a sur le M445, sur le. Sur quoi d'autre on a sur le TD, la RLV39, tout ça c'est les mêmes canons, hein. C'est une imitation un peu des chars allemands parce que avec un calibre un peu supérieur, donc du 90. C'est là qu'on voit la bonne précision, hein, puis il fait des petits quick shots, bon, ça passe pas toujours, hein, mais la précision est pas si mauvaise que ça pour un canon de 90 français. C'est pas mal, c'est un bon char. Après, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment des tirs qui vont de 180 à 300, donc c'est très rare que vous fassiez le maximum du RNG, c'est-à-dire 300. Les tirs que vous faites en général, c'est du 240, du 210. Ça tourne autour entre 200 et 250. Le 190, le 180, c'est rare aussi, mais ça peut arriver. Hein. Les low rolls sont jamais. Ça existe toujours, hein. Pour la pénétration, on a du 159 à 265. Alors, pour les munitions APCR, je sais pas trop. Est-ce qu'ils nous le mettent là? Non, ils nous le mettent pas. Ah, si. À la P, on a donc. Ouais, c'est ça. Et la APCR, voilà. Donc, c'est ça. Hein. La peine de 260, on peut la faire, à mon avis, avec de la PCR. Voilà. Suivant les munitions que vous emportez, vous pouvez aller de 59 à 265. Regardez, à la paix ça perce, même un IS-3, bon là il a chopé le flanc. Alors le premier tir, on a vu, il a dû taper en plein dans le blindage espacé. Oh, joli.
Un petit pyromane au passage. Bon, il a des bonnes stats, hein, qui veut du fromage, hein, c'est pas mal, hein. 7000 batailles, 1000 de WNU, presque. C'est pas extraordinaire, mais c'est les stats d'un joueur aguerri, qui joue régulièrement, et qui fait des bonnes parties, qui a des stats un peu stables. Donc on a, ouais, 750 de portée radio, 400 mètres de portée de vue, hein, c'est assez standard, ce genre de seuil. Bon, il est pas, c'est pas fait pour spotter, hein, mais bon, il n'est pas non plus complètement aveugle. Mais c'est pas extraordinaire, quoi. C'est pas fait pour ça, hein. Il faut que vous ayez du spot, hein. Donc, ouais, joli tir sur le KV2. Allez, essayez d'en caler un autre. Ouais. Ah merde, ça passe pas. Là, il a dû choper les rails ou un truc comme ça. Alors celui-là, je sais même pas pourquoi il est pas passé, hein. Soit non, bah ouais, je sais pas. C'est là qu'on voit la précision qui est un peu trop lesque, peut-être à longue distance. On se rappellera un peu la précision du M4-45 ou de l'AL-44. C'est un peu la même chose. Le canon est légèrement différent, je crois, il est un peu meilleur, hein, quand même, parce que c'est du 8, hein, il faut. Alors là, il se redéploie, hein, comme il n'y a plus trop de menaces en zéro. On voit. Bon, l'équipe là est un peu. Là, ils sont un peu en retard. Hein. Ils font 4 à 9, ils sont un peu débordés là. On va voir comment ça se termine. Alors là, une manœuvre un peu. Faire attention qu'il n'y ait pas une artie un peu. Oula, oui, d'accord. Alors là, faut pas oublier que. Il y a du monde, hein. Il y a l'IS-3, le KV-2 qui sont en F6. Ah, le joli RAM. Ouais, loupé, vous voyez la précision un peu bizarre. Hein. Ah, mince, l'IS. Ouais, là il est dans une mauvaise position. Il peut se faire flanquer par un peu tout le monde. Alors voilà, full aim ça va, hein, regardez. Full aim c'est tout à fait. Ouais, mais là faut pas oublier le LTTB. Voilà, le LTTB qui cale des tirs. Il faut sortir le LTTB en priorité là. Ah là 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 là, ouais, là. Là il aurait dû passer en vue interne. Ah, joli. On remarque que là c'est très mal parti pour eux. Hein. Je sais pas du tout. Alors, est-ce qu'il varie? Non, oh là là là. Il fallait tirer dans le tourelleau, il avait un angle sur le tourelleau. Là il est un peu à poil. Pour un tir d'IS, allez, allez, le tourello. Allez, essayez de le sortir. J'espère qu'il n'y aura pas un vieux goon. Tourello, tourello. Voilà, GG. Voilà, déjà 2 kills, hein, 2500 de dégâts. C'est pas mal du tout là. On est très bien parti. Donc 11900 gold. C'est pas très cher pour ce que ça vaut. Hein. C'est un très bon premium. Moi j'ai pris le CDC parce que j'avais besoin d'un médium. Alors là, le Jeep Panther complètement aware qui vient comme ça en mode salut. Alors là, des tracks, non? Non, même pas. Il doit pas avoir le dernier canon, hein, parce qu'il fait mal le Jeep Panther. Non. Là, je comprends même pas. Là, alors là, on voit une équipe de mauvais, hein, ils sont toujours pas fait sortir. L'IS tourne au 75 mm, je sais pas pourquoi. 5800 WN8, c'est pas mal du tout. Allez, faut sortir l'IS là. Boum, voilà. 4 kills. Eh bien, dis donc, il a renversé la partie là, avec ses collègues. Ils ont bien travaillé. Coup de chance, hein, parce que là, franchement, ils étaient très mauvais. Hein. Le J-Panther qui arrive comme ça en mode. Et l'IS derrière qui se fait sortir alors que normalement il aurait dû être en supériorité. Bon, il y avait le canon stock, hein, et certainement la tourelle stock aussi. Alors là, faut faire attention qu'il n'y ait pas un tir complètement complètement OP de la JW là, parce que celle-là. Ce genre. Ça m'étonne qu'il se soit pas encore pris de tir d'arty. À moins que je l'ai pas vu peut-être, mais. Parce que ce genre de char très friand pour l'artillerie.
C'est pas étonnant, moi avec le CDC, il suffit que je reste 2 minutes à arrêter et c'est la fin. Hein. Alors bon redéploiement, hein. Là il a su pousser, il risque de tomber sur les artis. Espérons également que les artis essayent pas de faire un petit en mode TD là. À mon avis elles sont là, bah tiens voilà, la M12. Voilà, alors voilà la précision. Hein. On se disait qu'elle était bonne tout à l'heure, je retire ce que j'ai dit. Ce canon est très bizarre, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être aim pas mal. Les quick shots sont en général risqués. Ça peut partir complètement n'importe comment. Quand le char est en mouvement. À l'arrêt, je dis pas. Bon, là, la traque, hein, il a dû partir droit dans la traque ou alors droit dans le. Dans le mantelet, ou enfin non mais pas dans le mantelet mais dans le dans une partie du blindage qui ne fait pas de dégâts sur le S51. Bon, très beau replay, donc on félicite qui veut du fromage, hein. Il s'en sort avec 4400 de dégâts, pas mal du tout, 5 kills. On remarquerait, on aura aussi donc les performances de l'IS, son collègue là, qui a fait 5 kills aussi. Donc très belle partie en FCM, un char qui est assez difficile à manœuvrer au début, il faut le connaître. Hein. Mais en matchmaking amélioré, c'est quand même bien sympathique. On peut se faire plaisir avec ce char, je vous le conseille. Hein. Comparé au CDC, si vous avez la possibilité d'acheter un autre char que le CDC, prenez le 50 tonnes. Il est vraiment bien. Hein. Voilà encore un replay qui le prouve. Donc c'est pas un replay extraordinaire, mais c'est un beau replay. Hein. Donc on remarquera qu'il a bien retourné la situation. Hors de ça, je publierai également d'autres vidéos de replay, hein, ça pourra arriver si on m'en envoie, si j'ai des amis qui m'enfilent, même des miens. Hein. Si je retrouve le replay sensationnel que j'avais fait en Renault FT, je vous le publierai. Quoique, je crois que c'est dans l'épisode 2 de World of Tanks, là vous regardez la deuxième vidéo que j'ai postée ou dans la troisième, je fais un petit 9 kills en Renault FT, c'est tout à fait rigolo. Amusant, hein, parce que bon, facile, hein, des joueurs qui sont pas très élevés en niveau. 7861 de WN8, c'est pas mauvais non plus. Écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. A plus tard.